Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Jean-Marie Lemenez, assisté d'Isabelle. Émission préenregistrée les 2 et 9 juillet 2014. Elle est diffusée vendredi 18 juillet 2014 de 18h à 21h, samedi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Sandrine. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir, chers auditeurs, pour cette émission estivale, cette émission du mois de juillet, pour la première partie de notre parcours. Pour notre voyage au long cours, car c'est une émission qui est toujours longue, vous savez, j'ai la joie et le plaisir et l'honneur de recevoir un, un écrivain que vous connaissez tous, qui est d'ailleurs euh, un habitué de ce micro sur Radio Courtoisie, il est déjà venu à plusieurs reprises, il s'agit de Denis Tillinac. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et je suis heureux aussi d'avoir à mes côtés Isabelle qui va m'aider pour cette émission, et nous allons passer ensemble euh, ces premières minutes autour d'un livre qui est sorti il y a déjà quelques mois de Denis Tillinac écrivain et ce livre est intitulé Du bonheur d'être réac, on en a parlé euh, déjà pas mal euh, dans la presse parce que c'est un thème qui est évidemment euh, très à la mode et qu'un certain nombre d'auteurs et d'écrivains commencent à, à reprendre sous une forme ou sous une autre. Alors on va évoquer ça avec Denis Tillinac, c'est un petit livre publié aux Équateurs avec un, un sous-titre Apologie de la liberté et c'est un livre évidemment que on ne peut que vous conseiller d'acheter pour les vacances, il fait 100 pages c'est un livre à lire à, 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 à toute vitesse qui se lit très facilement et dans lequel vous trouverez sans doute beaucoup de bonheur, peut-être même le bonheur d'être réac. Alors moi je l'ai perçu comme un... On peut, on, peut, on peut le percevoir de différentes manières parce qu'on peut le lire à l'endroit, à l'envers, de haut en bas, de bas en haut et il y a différentes façons d'envisager de, de, cette fusée à plusieurs étages. Alors moi je l'ai perçu comme ça dans un premier temps mais vous me direz si j'ai si raison ou si j'ai tort j'ai sûrement tort. La, le premier c'est un peu comme les trois couches de la peau. Alors il y a une première couche, on se dit ben voilà, Denis Tilya, qu'il est énervé. Alors euh, il se défend et on, il en a marre qu'on le traite de réac, comme d'ailleurs pas mal de Français aussi, parce que voilà, c'est une insulte, on est anathémisé ostracisé, vous hégémonie, il en a marre, il se défend, coup de gueule. Et puis il y a un, un deuxi une deuxième couche de peau, une deuxième, un deuxième étage de la fusée, on peut se dire ah ben c'est quand même, il y, y a aussi une approche culturelle et, et, et littéraire, il cite euh, à sa à l'appui de son livre, des, des auteurs, des bons auteurs, euh, très connus, qui euh, voilà, avouent qu'ils sont réac ou montrent qu'ils sont réac, et au fond, ils cherchent des critères, euh, qui sont les critères du, du réac, du bon réac. Et puis, il y a un troisième étage de la fusée, c'est. Euh, au fond, c'est une réflexion philosophique sur ce que nous sommes, sur l'humanité, sur, sur l'homme. Sur, sur et là, on est beaucoup plus dans quelque chose de dontologique et de très profond. Et on n'est plus dans le dendysme uniquement ou la, la futilité, encore que vous prenez bien garde de, de confondre tous ces mots. Mais il y a une réflexion qui est très profonde en réalité et qui va bien au-delà, bien sûr, du coup de gueule ou de la simple référence historique ou littéraire. Denis Tillinac. Alors, j'ai tout faux sur les trois, les trois couches de la, de la peau et les trois <coughs> étages de la fusée. Non non, c'est pas tout faux effectivement <laughs> dans, un, dans un premier temps, bon un petit peu de petit peu de sémantique comme on dit on pardonnerait un écrivain de s'intéresser au sens des mots, et ce mot réac devient, euh, devient juste le, une arme qu'on brandit pour néantiser, pour réduire à merci un adversaire. Il n'y a plus aucun sens. Le réactionnaire avait un sens précis au XIXe siècle il était utilisé par les démocrates ou par la gauche pour qualifier un nostalgique de l'ancien régime, un, un nostalgique d'une société régie, en gros, par le curé, le châtelain plus tard par le maître des forges, donc qui était hostile à la démocratie. Aux, aux libertés publiques et euh, aux droits à l'écho. Bon, c'est euh, la monarchie, au sens le plus large du terme, à l'ancien oui. régime. Bon, c'est-à-dire le réactionnaire. Puis alors le, 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 le mot s'est rétréci en réacte là, depuis une vingtième année pour qualifier euh, tout ce que la bien-pensance de gauche euh, juge pernicieux. Hein. Et à ce moment-là, c'est l'avant-dernier cercle de l'enfer. Le dernier, c'est le facho. Alors, le facho. Alors le Facho, on voit à la, la chemise brune, on voit le fantôme d'Hitler, de Mussolini, euh, qu'on confond avec suite Franco, comme si c'était la même chose. D'ailleurs, parce que la culture historique des journalistes de, de, des nouvelles générations, euh, Bobo, est assez euh, est assez faible. Et puis après, il y a le Réac. Alors c'est euh, le un mélange de de beauf, un peu euh, franchouillard, de, de, de Obtus, euh, xénophobe, euh, rance, euh, et, euh, puritain, vous il y a une espèce de. comme ça, bon, enfin, bref, ça ne veut plus rien dire, et euh, comme on m'affuble de ce. Euh, de, de, de ce qualificatif quand j'avance quelque chose qui me paraît de l'ordre du bon sens, j'ai fini par me dire, bah ben on, on va le revendiquer. Oui, parce revendiquer que vous dites souvent je dans le livre. Vous, souvent je », vous faites référence bon, à des expériences personnelles. Oui, oui, oui. J'ai euh... rarement été traité de facho, mais de réac, euh, souvent. Bon, alors on va, on va le revendiquer. Alors la, la, en général, j'étais plutôt considéré comme des crévains de droite. Alors, on, comme on ne pas trop quelle droite, c'est pas vraiment la droite libérale, c'est pas la droite bain on disait un art de droite, ce qui veut rien dire. Ou trop dire. Et donc je me suis dit finalement que ce mot était plus franc du collier, plus frais. Droite, c'est d'abord, on est obligé d'endosser toute l'histoire des droites depuis euh, au moins la Révolution, voire le siècle des Lumières. Et euh, on n'a pas forcément envie d'endosser. De Puis il euh, y a autant de références que de gens qui se considèrent comme de droite. Il hein. y en a pas deux qui mettaient deux, trois, quatre droitiers dans une pièce. Ils vont se, ils vont s'étriper. Et tandis que ce mot, Réac, il est assez franc du courrier, et mmh. vous avez raison, j'ai voulu à la fin essayer de voir en, quels sont les réflexes du Réac. Pourquoi je suis Réac au fond Pourquoi vis-à-vis euh, -vis de, 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 de phénomènes d'actualité, comme par exemple le mariage pour tous Pourquoi j'ai réagi spontanément comme ça Pourquoi bon, J'ai réfléchi pourquoi un homme n'est pas une femme, une couple n'est pas une paire. Et donc je finis par me dire qu'il y a quand même un certain nombre d'invariants, des, des fondamentaux presque anthropologiques, c'est-à-dire sans lesquels on ne voit pas comment une vie sociale peut euh, peut s'entretenir. Se, euh, le, bon, le sens de l'honneur, le sens de la mémoire. Hein, on n'est pas seulement là dans le présent. On doit, on, on hérite de, on hérite d'une culture, on hérite d'une <coughs> civilisation, on hérite éventuellement d'une religion, et ça nous oblige le sens de la. Enfin... De l'héritage, le sens des hiérarchies, une société qui hiér hiérarchise pas les affects, une pulsion, c'est pas la même chose qu'un idéal. Or, maintenant, la pub, le, le discours ambiant, de Freudisme, de bazar, mais tout sur le même plan. Vous voyez, tout à l'avenant, j'ai découvert finalement qu'il y avait un certain nombre d'invariants, au fond, auxquels se réfèrent sans même s'en rendre compte la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de réacts qu'on le croit, qu'ils le, qui le, le croient eux-mêmes, et qui passent pour des aberrations dans le discours euh, euh, dominant, euh, discours dominant qui est celui des médias, qui est celui des, qui est celui des politiques. Voilà, en gros. Donc, depuis, j'ai essayé de retrouver euh, quelque chose qui me paraît quand même gros de bon sens. Oh et qui semble, euh, et qui est diabolisé par, de, alors de moins en moins, hein, des gens, vous voyez bien que moi j'ai des, des tas de, de, de copains comme, euh, chacun dans son genre, Eric hein, Zemmour, Elisabeth Lévy, euh, euh, Robert Ménard, Rieu oui, oui, Foll, il, il y a dix ans, Jean Sévilla, oui. année, Chantal oui. Delsol, oui. la philosophe, qui vient de rentrer à la des sciences morales et politiques, qui il y a dix ans était presque traité de, de, de fasciste par des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que le, 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 le fascisme. Euh, le, Alain Finkielkraut qui vient de rentrer à l'Académie, non sans polémique certes, mais élu au premier tour il y a dix ans pour avoir publié un livre comme il a publié L'Identité Malheureuse. Euh, il aurait été voué à toute l'hégémonie, il aurait été margin, marginalisé. Oui. Il y en a encore certains qui sont marginalisés, je pense à Renaud Camus, je oui. pense à, à l'écrivain Richard Millet, mais enfin bon... Euh, il oui, vous consacrez un, 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 presque un chapitre, enfin quelques pages en oui, particulier. Et si vous voulez, j'essaie de réfléchir à, à au malheur de cet écrivain solitaire, qui est un des plus beaux écrivains français, Richard Millet, que je connais bien, euh, qui, euh, évidemment, se sort, qui est complètement tricard chez les libraires, chez les éditeurs. Chez les critiques littéraires, ouais, alors qu'il mmh. était considéré encore comme ça, comme des honneurs des lettres françaises, donc à mmh. tendance au, à se crisper dans une identité malheureuse, c'est le cas de le dire, et donc à se durcir, et donc à se nécroser, et donc je montre la dérive que ne doit pas adopter le réac quand il se sent agressé mmh. par l'air par du temps. Vous résumez tout ça en disant euh, le Réac, c'est un allergique au monde moderne. Oui, alors j'essaie de réfléchir à la modernité, si vous voulez. Il euh, y a quand même des, ce que j'appelle des couples historiques, des couples qui, comme euh, le, tous les couples, ont des, ont des chamailleries, mais c'est le bien contre le mal, le juste contre l'injuste, le beau contre le laid, le vrai contre le faux. Et ben, ils sont évacués au profit d'un couple... Alors, euh, brancher un Hein et alors, sauf que le branché du soir euh, sera déjà ringard demain matin parce qu'il y a une espèce de, de course à l'échalote de la modernité. Alors, la modernité, on ne sait pas quoi, c'est un espèce de devenir en suspens qui nous, euh, nous, nous amène comme un chien crevé au fil de l'eau, disait Bernanos, qui nous amène vers quoi ben Vers euh, une espèce de post-humanité qui ressemblerait un peu au, euh, au meilleur des mondes d'Aldous clé et c'est... Alors là, c'est la fin de... De l'aventure humaine à laquelle je suis attaché, c'est-à-dire celle qui a façonné la civilisation occidentale. Donc il faut résister à ça, donc et il faut, faut procéder. Ce sera peut-être un de mes prochains livres, Critique radicale de la modernité. Alors pas confondre, les, euh, pas confondre la modernité avec. Il euh, ne faut pas confondre réac avec rétro. Hein. Souvent les gens ils disent Ouais, mais alors tu veux, tu veux, euh, tu veux que, que l'homme se s'éclaire à la bougie et se chauffe avec des lampes à Non, non, pas du tout. La question est pas là. Il pas. faut pas confondre le l'intérêt pour les sciences appliquées avec le scientisme, le positivisme la divinisation de la technique. Hein, mais la modernité, c'est la course à l'échalote de, euh, de quelque chose, d'un devenir qui est considéré comme mieux que le temps présent et qui évacue le passé. Hein, C'est-à-dire que l'homme de toutes les civilisations s'est inscrit... L'instant, c'est rien, c'est un, un fil sur lequel la, la liberté danse. Hein, le temps que j'en parle, de l'instant, il est déjà dans le passé. Donc... Euh, tout ce que je suis au moment où je vous parle, ça vient d'un passé immémorial, mes, 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 mes chromosomes, enfin mon capital génétique, et puis ma, ma, ma civilisation occidentale, ma religion, le catholicisme romain qui a porté le, 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 le Moyen Âge, la Renaissance, le classicisme, le, 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 le baroque, le, le romantisme, je ne sais ça, et puis ma famille, mon terroir mon petit ma, ma, ma petite intégrale poétique autour de mon clocher de village euh, en Corrèze et puis la, ma patrie tout court qui est la France euh, et puis ma langue qui a fait de moi un écrivain j'essaie d'être un écrivain francophone bon tout ça, ça c'est porté c'est une mémoire et donc ce rapport entre l'instant présent qui est fugitif et évanescent et, et passé définit un homme et, et cautionne sa, la possibilité de sa liberté. cest ce qu'on est dans une société, avec l'idéologie de la modernité, le présent ne se réfère qu'à un futur. Or, le futur n'existe pas. Non. Je, peux, je peux mourir dans une heure ou demain matin, puis le futur, on ne le connaît pas. L'idée ne nous est pas donné de savoir quand on va mourir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il à partir du moment où on a des enfants, on peut pas s'en désintéresser non plus. Mais euh, l'homme n'est rien sans cette mémoire. Et cette mémoire est évacuée. On, euh, on dit, oh, ça c'est des valeurs d'un... Je me rappelle souvent dans la presse, quand il euh, y a eu ces histoires de marche pour tous, euh, contre le mariage unisexe. Ouais, mais alors tu, tu défends des valeurs d'un autre temps. Non, j'ai essayé de montrer, justement, pas d'un autre temps. C'est pas des valeurs rétro, c'est des fondamentaux. Bah, voilà. Je suis trop long et trop confus. Alors Isabelle, vous avez pris la parole, mais alors est-ce qu'on on peut être euh, réac et, et femme ah Oui, c'est oui, vous. qu'il y, de... qu y, qu y a un certain nombre de pages croustillantes sur la féminité. Bien sûr, vous, vous, vous donnez un, 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 les fondamentaux euh, du réac, Ils sont nombreux. Il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressée, c'est la distinction. Parce que là, mm -hmm. vous parlez de l'homme honnête, j'imagine au sens de Pascal. Mm -hmm. voilà. Il faut des générations pour faire un homme honnête. Mm -hmm. Et puis la féminité. Mm -hmm. Et alors, euh, évidemment, aujourd'hui, elle est accusée, euh, elle serait accusée de, de remettre en cause l'altérité homme-femme, et vous n'êtes pas du tout sur cette ligne. Oui, il ben y, y, y a tout un débat sur l'altérité du genre, qui a été relancé par les, 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 les sottises de, de, de nos ministres de l'éducation successive sur cette histoire d'abaisser de l'égalité. Alors, on l'a mis sur le dos de de, de, de Payon puis d'Amon parce qu'ils sont socialistes puis vraiment Payon n'était pas très malin mais il faut savoir que c'est Châtel appartenant euh, mmh. après c'est un gouvernement de Nicolas Sarkozy qui, qui a, qui a embarqué ce truc bon alors l'idée éternelle c'est en confond justice avec égalité on confond même égalité avec équivalence et, et on va, on va produire de l'indifférencier sous prétexte d'obtenir euh, entre l'homme et la femme, dans toutes les euh, circonstances sociales, une sorte d'égalité de, de, comptable. Il faut que dans un conseil d'administration, il faut que dans un, un conseil municipal, euh, dans un oui. gouvernement, il y ait 50-50. Je veux dire, cette espèce de dictature de d'hystérie comptable et des, et folle. Elle est folle. Elle est totalitaire. Il peut y avoir dans une commune, euh, les circonstances font que 80% de femmes sont plus capables que les mecs ou ont plus envie que les mecs de, de se présenter et d'être élus, 85 plus donc moi ce que je euh, c'est que je crois que notre civilisation dire et c'est original par rapport aux grandes civilisations de l'Orient, notre civilisation a promu la féminité. Qu'est-ce que c'est que la civilisation occidentale Bon, c'est la jonction, de, évidemment, de, de l'héritage gréco-latin hein, et de l'héritage judéo-chrétien. Comme ça, ça, ça se rencontre. Et puis, ça, sur les ruines de l'Empire romain, ça a bâti euh, l'Occident, le, 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 la civilisation occidentale. Plus tard, elle en sortira des États-nations comme la France. Bon, et je dirais, c'est aussi la jonction de Vénus... Et de la Vierge. Hein, et à partir de. Vous pouvez voir toute l'histoire euh, de l'art, euh, depuis les catacombes, depuis l'art paléo-chrétien, depuis euh, Ravenne, jusqu'à Rouault, Maurice Denis. C'est une histoire. Elle, elle, est, elle est marquée. Par, elle, elle scande une, un récit sur la féminité. Hein, alors, beaucoup euh, jusqu'au jusqu XVIIe euh, siècle inclus, jusqu'au Baroque, beaucoup autour de la figure de la Vierge. C'est jamais la même, hein, la Vierge de la Vierge de Giotto, c'est pas du tout la même chose que la Vierge de Botticelli, qui est déjà un peu une minette et un petit côté Brigitte Bardot. Très apurée, Brigitte Bardot jeune, très apurée, mais qui est pas encore la même que celle de Raphaël, hein, qui sera pas la même que celle de Murillo des grands bar baroques espagnols. Mais il y a toujours comme ça une idéalisation, il y a euh, un éternel féminin, qui est, qui est comme ça quelque chose que l'âme humaine occidentale dessine sur la page blanche de son imaginaire, et c'est très précieux. C'est très précieux. Alors il y a le et ça, ça construit tout, y compris notre érotique, notre spiritualité, notre esthétique. Euh, on serait, moi je serais pas le même. J'adore la féminité et les femmes. Je serais pas le même sans ce culte de la Vierge, par exemple, qui m'a été inculqué par les curés quand j'étais quand j'étais enfant de cœur avec ma petite soutanette rouge. Euh, ça, ça, ça installe le désir à une certaine altitude. Ça le, ça le bride pas, hein, d'ailleurs. Ça le sublime. De toute façon, le désir, il euh, faut le sublimer. Sinon, ça s'appelle une pulsion. Ouais. Et ça, il y, y a quand même 68 que les, les gens identifiaient ça à la liberté. Voilà. Alors donc, à partir de cela, je me moque un peu gentiment de cette espèce d'hystérie selon laquelle il faut absolument qu'un, alors, euh, on, on revient euh, au, au féministe le plus bête qui est celui de, hélas, de ma compatriote Simone de Beauvoir. Une seule excuse, c'était une très belle femme. Euh, mais très con, d'une certaine façon, qui était euh, de dire que si le petit garçon devient un, nain, un mec, comme ça, viril, macho, c'est parce qu'on lui donne des soldats de plomb à Noël. Euh, Père Noël vient mène ça, tandis que la petite fille, si elle devient euh, une minette qui se maquille, qui se regarde dans le miroir, c'est parce que quand euh, à Noël, on lui donne une, une poupée. Bon, D'ailleurs, des théories de ce genre, si on gratte un peu, on regarde toujours, c'est des gens qui peut jamais eu d'enfant. sorte ça, bon... Bon, c'est complètement imbécile. Alors non, pas seulement imbécile. Alors donc la le... M. Hamon, par exemple, il vous dit, ou Madame euh, Anajat Belkacem, qui est ministre des droits des femmes, droits des femmes. Maintenant, on fractionne tout en minorités. Alors il y a les... Il y, 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 y a les originaires de, de, de la Réunion, il y a les, les originaires du Maghreb, il y a, y, a euh, y a les rouquins, il y a les hémophiles, il y a les homosexuels, et mmh. puis il y a les femmes. Oui, mmh. comme une... Et les handicapés. Mais c'est une, mmh. une humiliation terrible. Il y a quand même... On, on va arriver à la deuxième génération. De, de femmes euh, dont la qualité est très inégale qui sont rentrées dans le jeu politique uniquement parce qu'il fallait les caser les femmes et nos dernières municipales dans certains villages autour du mien j'ai bien vu que, que carrément le type qui avait monté une liste il, fin, dès qu'il avait plus de 1000 habitants il, il, il prenait un râteau puis il, il allait dans les rues pour ramasser les bonnes femmes parce qu'elle ne voulait pas et donc à la fin on a vu des choses même assez humiliante pour la femme qui consistait à aller voir dans les quartiers défavorisés où il y a des, des, des gens au RSA, on leur donne 50 euros pour qu'ils acceptent pour la dame, accepte de donner son nom et être sur une liste. Bon, <coughs> voilà, donc moi je vous le restaurer à féminité, et puis <coughs> je pense que... <coughs> Je pense au contraire que dès l'école, il faut apprendre à une petite fille, il faut lui faire comprendre qu'elle sera peut-être mère un jour, qu'elle euh, qu incarne quelque chose qui s'appelle la féminité, qui n'est pas n'importe quoi, que les rapports, tout, tout ce qui fait le, ce qui construit la, le désir et ce qui structure une conscience, c'est l'altérité. Quand vous êtes en Italie, on est heureux d'être en Italie ou en Allemagne, Moi, je ne suis pas le franchouillard, mais je suis heureux d'être à parce que c'est différent de, de, de mon pays. Bon, le, donc la, Cette altérité, au contraire, il faut la Cultiver soigneusement. Donc, il hein, ne faut pas, faut pas faire les ABC de l'égalité, mais j'allais dire, leur approche de l'égalité, il n'en faut pas du tout. J'espère je, ne pas vous choquer, chère Isabelle. Non, 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 bon, je ça suis va. tout à fait sur la bon. même ligne que vous. Alors, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie avec Denis Tillinac, Isabelle, et nous parlons du bonheur d'être réac, un livre que. Dutilinac a euh, publié aux Équateurs à la fin de l'année 2013 et nous sommes déjà rentrés dans le, dans le cœur du sujet. Alors il y a une autre dimension que je, je voudrais évoquer aussi avec vous et, et qui est sympathique évidemment, c'est que qu'on l'a bien compris à travers vos propos, c'est pas, pas une défense, une pas, une pas, vous êtes un RIA qui n'est pas en réaction uniquement pour se défendre, mais c'est une position qui est totalement... Assumer, Et cest d'ailleurs le titre du livre, c'est pas euh, « Je suis réac et je vais vous expliquer pourquoi », c'est « Du bonheur d'être réac ».— c'est qu'on est, qu est soi-même. <laughs> — C'est parce que vous êtes soi-même. Vous êtes vous-même et vous, vous l'assumez. Alors, il y a des passages qui sont très beaux et qui éclairent, justement, cette euh, cette, cette, attitude personnelle profonde. Euh, lorsque vous dites, par exemple, que euh, l'éloignement du réac euh, l'immunise. Euh, en, en fait, le votre 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 vie intérieure au fond la vie intérieure du réac et son point d'appui, sa richesse, parce qu'elle est, euh, est immémoriale. Ses points d'appui sont immémoriaux. Euh, donc, au fond, effectivement, il est beaucoup moins euh, fragile et beaucoup moins euh, sujet au, au, au mode qui se démode, à la mode de la, de la feuille morte, parce que, au fond, ses points d'appui sont immémoriaux. Et vous venez de nous en donner oui. une sublime page en évoquant euh, la Vierge et Vénus, qui, qui est une sorte de fil, de fil rouge, de fil blanc de, de, de l'histoire et de votre votre histoire personnelle et de l'histoire de la France et de l'histoire de beaucoup, de beaucoup de gens. de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité tout court. Oui, le conservateur peut, peut être désuet, hein, parce qu'on peut s'accrocher à des choses. Le temps passe, et comme disait Mao tung on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Il hein, y a quelque chose d'irrémédiable. Alors, donc, il faut pas que, et, et, un grand conservateur politique, qui s'appelait Churchill, disait, il faut savoir couper des arbres pour que la forêt soit plus belle. Donc, il faut savoir qu'il y a des, c'est pas la peine de s'agripper à des, euh, à des choses qui, hum. euh, qui sont, euh, fugaces. Et Cocteau disait, euh, la mode, c'est ce qui se démode. Voilà. Et, et le réac est un parce qu'il n'est pas dans le système de la mode, hein. Il est un peu en retrait, il observe tout ça. Et il, effectivement, vous avez raison, il se réfère à des fondamentaux. Le, alors, la question de la féminité, on vient d'en parler, mais il y en a, il y en a bien d'autres. Il y a le, le, le sens des harmonies. On ne peut pas, on peut pas euh, fabriquer un peuple. Il ne faut pas entraîner un peuple si un peuple vaut euh, ce que vaut son élite. Et peut son élite, euh, son, son, son élite dans, dans nos sociétés, c'est l'argent et la notoriété médiatique qui l'a construit, et rien d'autre. Alors, l'argent, la rapacité, la, la, la pas du gain, euh, c'est universel. Mais dans toutes les sociétés humaines, il y avait un modèle alternatif qui équilibrait, c'est-à-dire le saint, le sage, le, le savant, le héros. Hein, et donc, c'est un modèle que le. le, le le petit garçon au XVIIe siècle, peut-être devenir riche, mais il voulait aussi être un gentilhomme qui mérite la comparaison avec le site de Corneille. Et donc pour la première fois, on pas ça. Donc moi je pense qu'il faut, faut, faut apprendre à hiérarchiser ses sentiments pour construire une sensibilité un peu civilisée et fine, c'est ça. Et puis, euh, il faut euh, euh, accéder à l'harmonie. Et là, pour accéder à une certaine harmonie intérieure, et une harmonie dans les rouages sociaux, dans la... il faut du temps. Du temps. Donc c'est pour ça que je dis que euh, je, je je fais des propositions pour en revenir, à, pour euh, je fais des propositions pour pour essayer de concevoir un espèce de prototype du réac idéal quoi. Et je dis qu'il faut le sens de la lenteur. On est dans une société que où euh, alors ça s'est aggravé avec Internet et l'info en, en, en continu où on est complètement harcelé par une temporalité mathématique. n'a plus le temps de rien. Or pour qu'une idée mature qu'elle devienne une vérité une vérité comestible pour les gens faut du temps du temps du temps pour euh, admirer pour prier pour contempler pour euh, pour, aimer. pour aimer pour pour aimer pour tout il faut du temps pour tout il faut et... du temps hein, faut et... du temps pour que l'affect la, devienne un sentiment et qu'après que le sentiment devienne quelque chose qui nourrit la vie, intérieur, mmh. mais aussi euh, la libido, le désir. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, le sens de la lenteur. Il y a le sens. Alors, j'en je, énumère euh, un certain, un certain nombre. C'est ce que j'appelle les, les invariants, quoi, des, sans, sans lesquels, bon. Là, ça, euh, on ne sait pas vers où une société peut aller. Alors moi, j'ai l'impression que la nôtre va vers le pire. Quand je dis la nôtre, c'est la civilisation occidentale, hein, au sens, euh, au sens mmh. le, plus, euh, le plus large. Bon, la France a des spécificités, du, du génie et des tares particulières. On, on, on peut en dire deux mots, mais enfin, c'est quelque chose qui concerne mmh. l'ensemble de, de la société occidentale. Et je dirais même qui, par le fait, en, entraîne l'humanité. Hein, mmh. Puisque l'Occident a vaincu les autres cultures par chaos, et mais c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'il a détruit la sienne aussi. Hein, c'est pour ça qu'on appelle Occident... Euh, faut, faut comprendre, faut se mettre dans la tête d'un cinglé, euh, entre guillemets, euh, djihadiste. Il appelle Occident ce qui est une espèce de société de consommation, de spectacle, où, y a plus, où, où tout ne vaut plus que le prix du marché, euh, euh, un désir, une femme, un objet, un tout, 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 tout Bon, ça, ça le rend fou. Et il veut, lâcher des bombes. C'est pas, je fais pas du tout l'éloge truc, mais j'essaie de comprendre. Je fais pas de, l'éloge des de, terroristes. Et il appelle ça l'Occident pourri. Bon, c'est plus l'Occident. C'est, si l'action occidentale, là, ça, ça, se définit. C'est, c'est quelque chose qui a, qui s'est mondialisé, qui a dégénéré, qui est en train de ronger les âmes partout et qui fait que des terroristes, comme ce cinglé de Mera, il y en aura, il y en avoir partout dans le monde, qui ne seront pas forcément, qui n'invoqueront pas forcément l'islam comme alibi. Il pourra y avoir d'autres choses, des types, elles, un certain nombre de valeurs verticales, ce qu'on appelle les invariants, auxquelles ils sont attachés, ils sentiront si fort en eux que c'est incompatible avec la modernité que ça les rendra cinglés. il euh, faut faire attention à ça. Et on, on y va. J'en ai peur. Alors, il y a un point qui revient très souvent en filigrane de ce, de ce livre et qui, je crois, est un, un, des, un des invariants du, du réac. C'est le... Et alors là, on touche vraiment à la, à la philosophie du réac. C'est le réalisme. C'est-à-dire que c'est ouais. il il, un réaliste. Et donc, de ce fait, et, et, vous, et vous le dites très bien, mais là, c'est la pensée la plus, la plus classique autour du réactionnaire. C'est-à-dire que c'est un réaliste qui peut être emprunt d'un certain pessimisme parce qu'il n'a pas d'illusion, il observe, il voit bien comment le monde va, mais c'est un pessimiste qui est gay et qui n'est pas triste. Et là, il, il s'oppose complètement à, à, à l'idéaliste euh, socialiste, Bobo, euh, à la mode, etc., qui lui voit toujours des lendemains qui chantent, et forcément... Euh, ne peut-être que triste, parce que parce que il est pas, il, il colle pas au réel. Oui, très cool, ça, ça c'est oui. très important, ça. Les qui chante bon, euh, marxiste Quand l'homme sera réconcilié avec l'homme, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Disait ben. oui. bon, on a, on a vu depuis longtemps qu'il ne connaissait que des airs militaires, des airs martiaux, puis que ça finissait très mal. D'ailleurs, c'est un problème, il n'y a plus d'étoiles rouges dans, dans le ciel de l'humanité. Cette étoile rouge, c'est une espèce de rêve communiste qui est une, une inversion dérisoire mmh. et monstrueuse du christianisme. Du, du c'est ouais. hein, ouais, ouais, ouais. le paradis, mais le paradis mmh. sur Terre, mmh. hein, comme si les hommes étaient... Ça serait possible, c c ça a été possible à l'intérieur des premières communautés chrétiennes, parce qu'ils pensaient que, le, que la fin du monde allait arriver à, à, à brève échéance. Bon, elle n'est pas arrivée, et puis l'Église catholique, elle a eu raison, je crois, a choisi... La masse contre l'élite et donc euh, encadrer un troupeau humain et un troupeau humain il est fa fait d'individus et dans individu il y a quelque chose qui s'appelle le mal qu'on venait en nous disant c'est c'est l'attendu d'un mauvais système social s'il y a un bon système social il aura plus de mal ben non pas, la cruauté fait partie de la nature humaine fait même partie du désir il suffit de lire ça d'ouma ou freud pour ça euh, pour s'en convaincre bon alors le réacte prend un, prend un acte un peu de ça hein, en même temps vous avez raison il est euh, il n'a pas de ré... il est donc il n'a pas il n'a pas ce désenchantement du bobo de ma génération qui fut euh, trotskiste ou maoïste ou communiste à 20 ans autour de mai 68 et puis qui petit à petit ne croit plus à la révolution est devenu un espèce de jouisseur sceptique, cynique comme ça c'est euh, <coughs> le c'est le, le dire l'électeur type que du, euh, des, des verts ou de la gauche du PS qui qui, euh, qui qui roule en vélib dans, dans Paris et va, va acheter ses fromages bio au Rue Daguerre. Oui, euh, oui dans bon, un renversement incroyable, euh, parce que le révolutionnaire d'hier est devenu le, 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 oui, le roi de oui, laide aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Ouais. Alors, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Alors, oui. qu que, pour, pour ne pas être le salaud de, de, de Sartre total. Alors, c'est quoi le quelque chose Quand même que, Parce que c'est des âmes mortes, ils ne croient plus à rien. Oui. Je veux dire, ouais. Quand même, toute la génération mise au pouvoir par François Mitterrand, là, depuis 30 ans, ils, ils sont à la gamelle de, avec un cynisme assez monstrueux. On ne veut pas dire que ceux de, que ceux de droite vaille plus cher. Hein. Autre débat. <coughs> qu'est-ce qu'il leur reste pour sauver leur âme à leurs propres yeux, pour se construire ouais. une bonne conscience Ils ont eu du pot, mais Le Pen. Ah, bonheur. Vous voyez, je ne crois plus à rien, je suis un vil jouisseur, j'ai renié tous mes engagements, mais. Quand même, je suis un type bien, car je milite contre le, le pénis, la mmh. xénophobie, le racisme, l'antisémitisme. Mmh. Enfin, tous les ismes de leur démonologie. Hein. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait des à la fin du moyen -Âge, surtout des manuels de démonologie, comme ça, en fonction des péchés. Euh, <coughs> il y avait des peines qui étaient, et la peine suprême, c'était le bûcher. Alors, la peine suprême, c'est le facho. Euh, mmh. Sauf que ça, il n'existe pas. <laughs> Donc, dans, et, et, mais cette diabolisation aura permis pendant ça, c'est en train de finir, là aura permis pendant 30 ans à des, à des de, de véritables âmes mortes de se persuader elles-mêmes qu'elles étaient encore moralement convenables. Mais de ce point de vue-là... Le réacte, ça le fait rigoler, ça. Ouais. Moi, ouais. Mais fait depuis... rigoler. Oh, je me rappelle très bien, je vais vous prendre un exemple, j'étais dans le quartier de, de campagne de Chirac en 2002, le soir où... Euh, le Pen est arrivé second aux élections présidentielles. Un, un Chirac de Le Pen, trois Jospin, qui a été éliminé, et qui a dit d'ailleurs soi-même qu'il était à vie politique. Il, il s'y est tenu d'ailleurs. Eh bien, euh, euh, sou, souvenez-vous, ça voulait dire que Le Pen avait gagné un point ou deux euh, en sept ans. On a eu un espèce de discours ambiant, comme si pratiquement les, les Panzers arrivaient à Porte de Pantin. Mmh. Alors, on a attendu huit jours, et puis finalement, Le, le, le Pen ne nous a pas lâché des, 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 des divisions euh, SS nulle part, euh, la démocratie n'a pas été la moins du monde en péril. Et ben, le réact c'est celui qui regarde ce discours, qui se dit pourquoi ils se racontent leurs histoires pour, contre le peine, la question n'est mmh. pas là à la limite on s'en fout c'est un, un alibi, un petit, peu comme le, un petit peu comme le mariage homosexuel qui concerne quelques centaines de personnes pourquoi ils se mobilisent là-dedans qu'est-ce qu'il y a derrière mmh. leur truc de vouloir absolument que les homosexuels se marient il y a cette espèce de truc de l'indiffus. On sait pourquoi ils veulent qu'il n'y ait pas de problème d'immigration, que le multiculturalisme soit, soit, devienne obligatoire, que le cosmopolitisme soit la philosophie naturelle. Pourquoi ils veulent ça C'est enfin, sans, sans, sans d'agressivité, je me je pose la question. Et il y a des réponses. Alors, j'essaie je, je, de, de, de le suggérer un peu. Donc, mais pourquoi, ce, pourquoi ce déni de réalité Pourquoi, par exemple, ce problème de l'immigration, qui est un problème qui manifestement hante euh, l'inconscient collectif euh, dans, dans le peuple et dans les classes moyennes, c'est le problème numéro un Il est d'autant plus numéro un qu'il est tabou. C'est-à-dire qu'il est refoulé parce qu'on ne peut pas l'évoquer. Et ça va faire quand même une bonne trentaine d'années que des copains, mais des copains socialistes élus. En banlieue de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Nice, me disent c'est. Ça va mal finir. Il y a trop d'immigrés. Euh, les flux migratoires sont pas contrôlés. Des, des, des crispations communautaires se euh, font jour. Il y a une espèce de violence qui devient quotidienne. Il y a une économie parallèle qui est mafieuse. Et puis, il y a des, il euh, des zones de non-droit où, où les flics peuvent pas aller, où jamais un, ni un commerçant, ni un toubib, ni, ni quoi que ce soit ne, ne, ne s'implantera. Et ça, ça va, finir, euh, ça va finir très mal. Pourquoi euh, ce, ce, cette servie de, de se repoussoir Le Pen pour empêcher de poser le problème Vous voyez, je, je pose des questions comme ça. Pourquoi cette, euh... Alors, il y, y a quand même derrière tout ça une espèce d'idéologie. Le multiculturalisme, il y, y a un refus de l'altérité. Et finalement, euh, une, une société. Ça, ça revient en histoires entre l'homme et la femme, une société de l'indifférencier. Il faudrait qu'un homme soit comme une femme, qu'un un Français soit comme un Italien, qu'un Européen soit comme un Africain, un Africain soit comme un Asiatique, des espèces de melting pot à la Benetton, comme ça. Et euh, ça, parce que ça fait plus sympa, ça fait plus fraternel. Mais non, ça fait rien du tout, parce que ça. <laughs> Toute société se construit dans son rapport entre le même et l'autre. On est deux. D'ailleurs, le, le, les, les, les le bloc de l'enfance nous disent que l'enfance se construit dans un rapport entre le moi et le moi, non-moi, c'est-à-dire l'autre, le, le, le père, la mère, le frère, le soeur, le copain, dans une espèce d'agressivité. Bon, c'est pareil, il n'y a pas de... Le sentiment d'appartenance est un fondamental. On appartient à une patrie qui est une tribu, qui est un village. Qui est... Donc, euh, à partir du moment où on considère que ce, ce, ce sentiment d'appartenance est négatif, Hein, ça génère du nationalisme, ouais, ça génère du racisme, ça génère rien du tout. C'est au contraire le racisme et le nationalisme. Le nationalisme, c'est une maladie infantile ou sénile du patriotisme quand il est, quand il se sent menacé. Hein Je disais hier dans une, chez un de vos confrères, devant un sociologue qui euh, vantait euh, une espèce de de France, comme ça, qui ne serait rien d'autre qu'une un, page blanche sur laquelle est écrit de droit du sol et droit d'asile, sur lequel des gens arriveraient de n'importe où et construiraient comme ça, vivre ensemble. Youpi, sympa. Bon, il n'est pas sympa du tout. Et deuxièmement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des pays d'immigration. Oui, le Brésil est un pays d'immigration. On en parle beaucoup. Et les, les malheureux Brésiliens <laughs> sont, euh, sont blessés par la, la, la piètre production de leur équipe. Mais bon... Euh, c'est un pays d'immigration. Le Canada est un pays d'immigration. Les États-Unis sont un pays d'immigration. Et, et du, du coup, par exemple, le double patriotisme euh, fonctionne très bien. Je vois euh, tous les ans, il y a la grande parade des Juifs de la région de New York, euh, dans 5e Avenue. C'est 600 000 personnes. Hein, avec euh, deux drapeaux à main, le drapeau israélien et le drapeau américain. Et euh, avec le, des, des slogans Israël, terre promise. Euh, Promised Land, euh, États-Unis, terre des promesses, Land of Promises. Ouais. Ouais. Bon, euh, nous, c'est pas possible. Quand des euh, Français, originaires d'Algérie, par défi, prendissent des drapeaux algériens, c'est c'est une espèce d'agressivité contre l'autre. Après tout, on pourrait imaginer ça. Ils sont originaires d'Algérie, même s'ils n'ont jamais mis les pieds. Mais ils invoquent comme ça des racines, comme moi je pourrais invoquer un drapeau coréen s'il en existait. Un. Il n'en existe pas. C'est très bien. Donc, euh, donc on ne comprend pas que ce n'est pas vrai. La France est un pays sédentaire dans lequel des étrangers sont venus au long des âges ils sont devenus des français au fil des générations par intégration par assimilation. On, on, on veut pourquoi nier cette évidence C'est pas vrai que la France est un pays d'immigration. Le, 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 les grands flux migratoires remontent au 5 siècle. Oui, là il y a des grands chambardements démographiques énormes. Après bon, euh, 9e en gros un, un peu de vikings, un peu de sarrasin et un peu de et un peu de de, de, ma, de Magar, hein est nord-sud, mais c'était plutôt des 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 avant des avant-gardes militaires, c'était pas ils, ils ont jamais été Jusqu'au 19e siècle, où effectivement, alors la, la, la révolution industrielle a amené des, des vagues successives de polonais, d'italiens, d'espagnols, puis plus tard de portugais, et puis de, à, part, à, part, à partir des années 50, de maghrébins et d'africains, surtout du, du Sahel francophone. Bon, ce qui mais dans des proportions telles que c'est la première fois qu'il y en a autant sur, à la fois sur sol et à un moment, un moment où en plus il n'y a pas de référent. Quand une société est bien dans ses pompes, euh, elle, elle, elle assimile. Il y, y a des questions de seuil. ils sont symboliques, ils ne sont pas les mêmes. Ça dépend de la situation économique, mentale, morale. Par exemple, les Sarrazins, ce qu'on appelait les Sarrazins définitive, c'est plus les morts des premières que, que Charles Martel a arrêté à Poitiers, qui sont restés quand même deux siècles et demi. Hein, puis après, des morts arabisés. Bon, depuis le, le, le premier djihad, il y, y en est beaucoup. Ils ont monté jusqu'à Autun, ils ont saccagé, et les, les dernières avant Poste, c'est la garde Freinée, là, au-dessus du golfe de Saint-Tropez, euh, on se sent et euh, quelques... Oui, ils sont restés très très longtemps. Ils sont, il n'en restait plus rien. Pourquoi Parce que ceux qui, ceux, ceux qui euh, restaient euh, euh, dans la caravane avec femmes, enfants, euh, commerçants, tout ça, ils étaient euh, baptisés d'autorité, et puis euh, ils rentraient dans le boule, Mais là, il n'y a plus d'instance euh, qui euh, bah, est c'est sécularisée. Il y, y, y en a plus. Euh, ça peut pas être la religion. Il y a plus, même plus de si services militaires. Ça peut pas être l'école. L'école, euh, ce qu'on appelle l'école républicaine, l'école de Jules Ferry, bon, euh, qui, qui, débute symboliquement avec la fameuse lettre de, de, de Ferry euh, aux Instituts de France en 1882. Quand été ministre d'instruction publique, ça a très bien fonctionné parce que ça a alphabétisé quand même la France rurale en deux générations. fini dans les années 50-60. Parce que ça correspondait à un besoin qui n'existe plus. Il faut, faut voir le contexte. Le contexte était soustraire la pédagogie au curé en inculquant la morale de Kant. On s'est rendu compte après que c'est à peu près la même que celle des curés. Et reconquérir l'Alja Soren. Donc, armé moralement d'un patriotisme qui était lui-même assis sur des valeurs morales solides. Cette lettre de, de Jules Ferry aujourd'hui, euh, elle serait considérée. Bah on la prend, on ne dit pas, et nous ça vient. On, on montre ça à un journaliste de Libé, de Télérama, de L'Obs ou du Monde, il va nous dire oula, là ça sort. Au moins de chez Le Pen et peut-être bien de chez les intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà cette lettre. C'est extraordinaire. Bon, alors donc il n'y a plus de... Donc, les... enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'il est évident que le problème des flux migratoires est le problème politique numéro un des Français. Des euh, ministres d'intérieur successifs le savent. Mais ils ont la trouille, ils ont la trouille de, de, de passer pour des fachos, des répressifs, ça. et puis donc ils dégagent en touche. Et, et donc voilà l'exemple d'une société qui, 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 qui s'aveugle volontairement, euh, alors que de plus en plus, son peuple a l'impression, euh, une impression qui repose sur des réalités, même si que celles sont des fois fantasmées, qu'il va y avoir un véritable remplacement, comme ça, ils ont peur et la peur, même si elle est fantasmée, la peur est un fait politique. On, ben, ils veulent pas, ils peuvent pas. Donc voilà. Ben, le réacte, lui, dit, écoutez, ben, c'est comme ça. Je pas de, pas du tout de racisme, il n'y a pas de problème, mais, il euh, faut prendre en considération cela. Et d'ailleurs, tel, tellement en considération que, des problèmes qui, par exemple, ne se posent pas tellement à nous. Je, je pense à l'histoire du minaret. Vous voyez, on, en Suisse, il y a eu un référendum, euh, pour ou contre l'autorisation la, de, de minarets sur les, les petites qui, qui pointent au-dessus des, au des mosquées. Il y en a pas en France. Il y en a pas en France. Euh, mais on, comment on n'ose pas aborder ce problème On l'a importé pour faire un espèce de débat, et il a fallu que ce soit le, le grand, le grand euh, Timam de Bordeaux, de est plutôt tradit, qui fasse un papier dans le Monde pour dire arrêtez les gars. Le paysage intérieur de l'Occident, c'est un clocher, c'est pas un minaret. Le minaret, c'est absolument pas nécessaire, un truc. On doit respecter le paysage intérieur de, 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 des, des peuples chez qui on est, et donc arrêtons les frais. Et il a fallu que ce soit un, un imam de, de bon sens qui dise quelque chose que qu'aucun intellectuel ne dire, alors que c'est une évidence. On n'a pas envie. Moi, quand je suis en Afrique du Nord, j'étais au Maroc cet hiver. Ben je suis content de voir des minarets. J'ai l'impression que j moi je préfère toujours que les gens croient à quelque chose de plus varié. Et puis quand j'entends crier le, le muezzin à l'heure de la prière, bon ben je suis en terre d'islam, c'est pas c'est pas la mienne, euh, mais j'y suis en, en invité, je, 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 je la respecte. Et donc, bon mais ben, euh, en Europe c'est euh, l'Europe d'ailleurs si l'Europe a un sens. Et mais là, regardez même même ce sens, il veut, nos, nos dirigeants veulent pas le reconnaître. Si l'Europe l'Europe ne peut se définir que par le, ses racines chrétiennes. Ils ne veulent pas l'inscrire dans les textes euh, dans les textes de, de la Constitution, dans les textes préambules de la Constitution. C'est-à-dire que le, le, le réacte, c'est celui qui refuse de, euh, les tabous, au fond. Tout simplement. Mmh. Les tabous. Donc il dit, bah, non, attendez, je, moi je vois ça comme ça, et, euh, et je le dis. Et donc, euh, apologie de la liberté, parce que ça me rend, je suis libre de le dire, et je vois bien que les autres, quand ils raisonnent sur des tas de sujets comme ça, ils ne sont pas libres. Il y a une espèce de flic, un surmoi comme ça, qui retient un revolver sur la tempe, qui dit n'oublie pas que tu euh, multiculturel, n'oublie pas que tu es antiraciste, n'oublie pas que... Vous voyez Cette espèce de... Oui, de, 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 de surmoi qui pèse. et Voilà. Alors, chers auditeurs, celui que vous entendez, c'est Denis Tillinac, vous avez reconnu euh, sa voix. Denis Tillinac, c'est bien parce qu'on peut le reconnaître uniquement à la voix, même euh, si on le connaît Et pas, on sait qu'à la voix, à l'accent... Oui, ce n'est pas, pas, <laughs> pas la mémoire de ma culture, <laughs> c'est le tabac, tout simplement. Ah, pas uniquement, il y a quand même une petite, petite pointe d'accent du terroir, quand même. Ah bon vous Oui, un peu, un peu. Alors, du bonheur d'être réac, Apologie de la liberté aux Équateurs, Denis Tillinac avec nous, encore pour euh, quelques dizaines de minutes. Vous avez évoqué, euh, de 2002, la, la, la politique et le, dans le livre, vous, on, on voit bien que le, 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 le terrain de chasse du réac et la culture du réac, c'est pas, euh, pas la politique, parce qu'au fond, euh, vous montrez bien sa, sa dimension tragique, on l'a évoqué, et au fond il est condamné à la sphère du, du, du privé et très tôt d'ailleurs dans le livre, c'est ce qui est sympathique et ce qui rend tout de suite le réac euh, attirant parce que ces vale les valeurs que vous exprimez sont des valeurs positives, c'est pas, pas en réac, c'est pas négatif c'est pas pour combattre, c'est que du positif, vous montrez bien dès les premières pages qu'au fond le réac c'est son univers, c'est la poésie, c'est dans, dans, dans les premières lignes, hein, dès la page 14 vous, vous, vous dites, c'est un, une très belle phrase d'ailleurs, il est l'exilé ad vitam d'un royaume dont la souveraineté relève de la politique ou de la mystique, surtout pas de la politique. Alors, ceci étant posé, on a quand même évoqué le, 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 le monde politique. Ma question est la suivante est-ce que vous, ce livre-là que vous avez écrit en 2013, on ne sommes en 2014, vous l'auriez écrit de la même manière il y a trois ou quatre ans Est-ce que les choses ne se sont pas radicalisées un peu depuis 2012 Et je dirais. Alors malheureusement, c'est vrai que sur le plan économique, on n'est pas content et, et on a des raisons de, de ne pas l'être, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan, sur le plan sociétal. Il n'empêche qu'on a l'impression qu'on est tellement le dos au mur, que un certain nombre de masques tombent et un certain nombre de prises de parole, comme la vôtre par exemple, euh, trouvent un écho assez large au fond. Parce que franchement, euh, c'est vrai que c'est une espèce de cure d'austérité, de traversée du désert, qui était peut-être une sorte de purge. Euh, intellectuel et spirituel qui, qui a peut-être des côtés salutaires. Est-ce que vous ne le pensez pas Oui, vous voulez dire que le, finalement le, le réac va, va finir par être à la mode. C'est ben, presque un risque qui court d'ailleurs. À... Oui, bien sûr que ça a changé probablement. C'est un parce que savez, les idées, euh, les... quand elles ne reposent pas justement sur des... des... Des, des, des valeurs euh, immémoriales. Ben, les idées, c'est comme les gens, c'est comme les plantes, ça, 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 c'est adolescent, puis c'est adulte, et puis ça vieillit, et puis ça se nécrose, et puis ça meurt. Hein. Tout ce est, toute cette espèce de d'approche de la liberté conçue comme l'ouverture des vannes des pulsions, qui revient un peu de mai 68, mai 68, s'il faut bien un terme générique, mais c'est en train de mourir. Hein. C'est-à-dire l'idéologie 68arde, au sens le plus large du terme. Pour la définir, on le fait un peu, mais ça serait trop long, et en train de mourir. Et donc, et quand. Et c'est pour ça d'ailleurs que les, ces défenseurs deviennent si agressifs, mmh. si les Chars qui qu'ils sentent bien que. Et leur, leur pouvoir intellectuel est sur la fin. On voit bien que beaucoup de symptômes de, laissent entendre pour le moins que la France, dans ses profondeurs, est passée à droite. Alors, droite avec mille guillemets, je veux dire. Elle, elle récuse maintenant ces valeurs. On l'a bien senti à travers cette histoire de marche pour tous, qui, dont l'enjeu le, allait bien, a révélé des, des choses qui allaient bien au-delà de l'enjeu initial qui était de s'opposer au mariage euh, entre homosexuels, qui n'est pas du tout de l'homophobie, au contraire, pour un homme. Qui aiment la féminité et les femmes comme moi, plus il y a d'homosexuels, vous euh, êtes content. Moi, ça faisait de la moins de <laughs> concurrence. Mais oui. Il y a des, péri <laughs> des périodes dans mon existence passées lointaines où j'aurais bien aimé que tous les maris le fussent. Bon, <laughs> mais euh, enfin, l'altérité, c'est précieux. Donc, qu'est-ce que ça a révélé Moi, je j'aime pas les manifs. Bon, mais j'y suis allé quand même voir, puis j'allais discuter avec des gens qui n'étaient pas du tout des intégristes politisés d'extrême droite comme on a raconté c'est pas vrai, c'était des gens plutôt provinciaux, plutôt conservateurs je leur disais, pourquoi vous manifestez on veut pas changer de civilisation, ils savaient pas trop le conceptualiser mais ils avaient voyez. donc ça a, révélé, ça a révélé quelque chose, d'autres symptômes des, des, des livres à succès paresse dont on parle pas beaucoup mais qui connaissent qui rencontrent un, un, un public, des collections chez les éditeurs, des, 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 des journalistes comme euh, Elisabeth Lévy ou Éric Zemmour, des philosophes autour de Manon euh, comme euh, Finkielkraut, Bérénice Levé, une jeune philosophe, euh, des, euh, un, un historien comme Jean Sevilla, il y a mille, dont le livre Histoire passionnée de la France, plutôt une espèce de, une histoire de France racontée aux enfants, plutôt à droite, si tenté que le mot veut dire quelque chose, Mais tout ça a beaucoup de succès bon on, on voit bien moi-même je il m'arrive de dire d'exprimer de, des choses de, dans des euh, dans des studios j'aurais fait davantage attention il y a 5 ou dix ans vu il y a la semaine dernière j'étais je suis allé dîner avec un de mes amis qui a été élu maire de Béziers qui s'appelle Robert Ménard qui a été bon il a été diabolisé d'une manière incroyable alors que, quand je l'ai connu il était président de reporter sans frontières et il était très à gauche et c'est un type candide et pur et de, qui a découvert que ce à quoi il croyait depuis son enfance, puis sa jeunesse trotskiste, ce n'était qu'un. dans le, le, le parisianisme intello, ce n'était que de l'imposture et, et de la mauvaise foi. On a d'écouter, puis à partir de ce moment-là, il a fini par dire des choses aussi monstrueuses que, par exemple, euh, sur les, les flux migratoires. Ce que dit Le Pen, il n'a pas toujours tort, surtout par a priori. Hein, si Le Pen dit il fait beau et que, si elle est bien bleue, on ne va pas dire il pleut sous prétexte que Le Pen dit ça. Oh, 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 est ça. Bon, bref, il a été tricard partout. Et ben, ce, ce, ce garçon, plein de, plein de candeur, mais enfin d'intelligence aussi, et de, de courage, tout seul, est allé se présenter à Béziers, ville dans laquelle il avait passé son enfance. Euh, il a fait 45% au premier tour tout seul, avec des, des, des poignées de copains, son épouse, euh, qu'il a soutenu, et il a été élu euh, très facilement contre toute la classe politique, UMP et PS, euh, d'ailleurs solidaires pour lui piquer la communauté d'agglomération. On voit que l'UMP n'est pas avare de, de bêtises depuis quelque temps. Celle-là est, est significative. Bon, ben, il aurait pas, il aurait fait 20% il y a 10 ans. Et, on l'aurait, mais il aurait même pas mmh. pu tenir une réunion publique dans un bistrot, il se serait fait casser la gueule. Bon, on voit bien que, non, ça change, ça change. Je pense que probablement la France n'a jamais été aussi à droite que depuis peut-être 58, peut-être, depuis les années 20 ou 30, euh, mais peut-être on peut Alors, dire elle a euh, jamais été aussi réac. Oui, voilà, plutôt. Plutôt. Oui, vous avez raison. Mais c'est vous, c'est vous, vous, vous ce qui avez raison. Ce mot, ce mot droite. Ouais. Et oui, il a trop servi, quoi. Il, ouais. comme, puis lui aussi il a vieilli. Ouais. Euh, 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 oui, elle est réac. Elle, elle est réac, réac avec, la France. Gens, des gens que, commencent à, à dire euh, plus haut ce qu'ils ont pensé depuis longtemps tout bas. Ouais. Et, et puis finalement, oh, il y a des offuscations. De, euh, mais ça passe, ça passe mieux. Il ne faut pas. N'importe quoi, il y a encore des. Il y a encore des verrous qui ont, qui ont pas sauté. Alors c'est vrai que ça change. Alors, le problème, c'est que euh, quand un... des euh, années 60, je me rappelle bien, quand j'étais étudiant, les, les, les auteurs qui ont façonné le, le, euh, une vision euh, de l'homme et de la liberté, bon, multiculturelle, cosmopolite. Une, euh, euh, cette espèce de... ce que j'appelle quand même l'idéologie de l'indifférencié. Tout ça a été préparé dans les années 60 par euh, Marcus, Althusser, euh, Morin, Deleuze, Gattarif, Lyotard, enfin y a des, des, des philosophes, des sociologues, l'antipsychiatrie l'antipédagogie l'anti-pédagogie, Illich. Euh, bon. Et puis... Mais 68 en aura été un mode d'expression spontanée politique, avec le talent euh, et le charisme assez remarquable pour un gamin de 20 ans de euh, Daniel Cohn-Bendit à l'époque. Et... Mais vous remarquerez que la traduction politique, c'est-à-dire l'accession au pouvoir de cette génération et des gens qui pensaient comme ça et qui ont structuré euh, alors les années 80, 90, 2000 partout dans les médias, ça n'est arrivé qu'en 81 avec la victoire de Mitterrand sur euh, Giscard d'Estaing. Donc euh, ça veut, euh, donc le champ mental est en train d'évoluer beaucoup, il devient plus réel, mais avant que on connaisse une traduction euh, dans le genre politique, il faudra probablement du temps, parce que j'ai essayé d'expliquer ce dont nous parlons euh, amicalement, euh, Ici, aux dirigeants de l'UMP que je connais tous bien, ils comprennent rien. Alors ils comprennent rien d'abord parce souvent ils sont énarques, donc c'est l'apprentissage structurel de la lâcheté et de l'incapacité à comprendre quoi que ce soit. Les noms, il faudrait les étudier, ça je pourrais le démontrer. Et puis ils comprennent rien parce qu'ils sont dans un rapport de servilité avec un système médiatique obsédant qui leur tend toujours des micros auxquels ils ne savent pas résister. Et, euh... Et donc il faudra beaucoup de temps avant que, que, que certains d'entre eux commencent à comprendre. Alors, il y en a mmh. qui commencent. Petit peu plus que les autres sur tel ou tel ou tel point. Mais regardez, par exemple, les marches pour tous, ce qui veut vraiment réveiller, je ne sais pas, une espèce de la France des, des gens tout simples qu'on voit au, au, dessiner sur les vitraux de nos cathédrales. Hein, cette France un peu provi plutôt provinciale, cateau au sens le plus large, d'un mm -hmm. attachement immémorial à nos clochers, c'est un phénomène, c'est le phénomène le plus important. Mm -hmm. On y en ils en ai parlé, ils, ils, ils n'ont mm -hmm. rien compris. Alors, certains, deux ou trois, ont, ont mis leur écharpe et se sont, sont dit merde, il y a des électeurs. Il ne faut pas les louper, mais en, en fait, ils n'en avaient rien à fiche. Mmh. Et ça, ils ne les intéresse mmh. pas, à, à, à l'exception quand mmh. même de, de, de. Oui, il y a une poignée. Maritons une poignée, de, voilà, de, une demi-douzaine. Christine Boutin et de quelques personnes comme ça, bon, qui, mmh. qui ont, Valérie Pécresse, mmh. qui ont vraiment joué le jeu parce qu'ils mmh. étaient un peu convaincus. Mmh. Mais le, les autres, rien, rien, rien. Y, y compris mmh. d'ailleurs le Front National, le Front National, l'UMP. Euh, même euh, ouais. incapacité de comprendre euh, ouais. ce qui se. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ce que vous écrivez à la page 70 de votre livre, ne... ce qui fait une des caractéristiques du réac, ne pas investir sa soif d'absolu dans la sphère non. politique Alors, qui par la... nature non. est contagente. Non. Non, voilà. Alors, Alors ça, ça c'est. La traduction politique est... est toujours ouais. un... un affadissement et un, <coughs> et un détournement. Ouais de ce qui peut être perçu comme un idéal ou comme une cause juste ça il faut pas se faire faut pas se faire d'illusions parce que là, les hommes sont toujours les hommes Et bon et finalement ne les intéresse que leur élection ou leur réélection et rien d'autre mmh. et rien d'autre donc ah, bon mais euh, mais il faut bien quand même faut bien et malgré tout si vous voulez, dans leur politique je dirais il y a des il y a des moins pires on est on est on est dans le on est sur le champ de les relatifs, de le champ de la contingence hein. et, et, bon mais ça existe on est obligé de, de de, de, de se dire qu'on va tenter de convaincre. Moi, j'essaie quand même de. Je, je encore cette semaine, là, quand, je, quand je suis à Paris, de rencontrer des. J'ai des, de rencontré euh, Bruno Le Maire et Dupont Aignan cette semaine, pour, euh, pour le hasard, mais je les connais tous. Hein. Je les connais tous parce que j'ai tous connu autour de Chirac. C'est pas. Euh, C'est ethnique, comme. <laughs> C'est parce mmh. que Chirac était député de ma circonscription. Mmh. Comme ça. Et je. Je vois bien qu'il y, y a des prises de conscience parcellaires, mais ils, ont tellement, euh, ils sont tellement obsédés par les médias. Je, les médias, si, ils, ils, ne, ne, ne le prenez pas en, en mauvaise part, mais euh, on, on a observé, par exemple, que euh, Berlusconi, en période de crise, a été réélu trois fois en agressant très très violemment les midi, en prenant le peuple à témoin en disant regardez ces espèces de petits gauchos on va se les faire ensemble de journaleux, on va se les faire ensemble ça a très bien marché bon la troisième fois c'était trop puis il vieillissait puis vraiment bon les les son entourage de minettes commençait à être un peu a <laughs> hein, un peu exagéré mais enfin longtemps le, les, les deux premiers ans je pense c'était un bon euh, un, un bon chef d'État euh, Beyrouth en 2007 pour la première fois a été euh, un peu insolent. Vous ne me parlez pas. Vous n'êtes pas neutre. Vous me parlez au nom d'une idéologie. Allez, démasquez-vous, puisque vous, monsieur un tel, qui m'interviewez et qui est considéré comme une espèce d'oracle neutre, vous appelez euh, euh, El Kabatch ou Bourdin ou les, les personnes ne sont pas en cause. Catherine Ney, qui est une copine, euh, ça lui a servi. Il a fait 18 Ça lui a permis de dire Mélenchon en 2012, pareil que ça lui a permis d'exister, de se construire euh, son image et Ménard mmh. euh, fonctionne comme ça. Et Le Pen, c'est ce qu'ils font depuis, depuis toujours. Oui, mais oui, ils sont, mmh. d'une certaine, ils, ils le font depuis toujours, mais euh, euh, Madame Le Pen euh, et mm, Marine. Marine. Et euh, Madame Maréchal Le Pen, nièce, mmh. et la petite Marion avec laquelle mmh. j'étais sur un plateau de télé il n'y a pas longtemps, sont assez friandes, voire intoxiquées de médias à l'égal des autres. Ah bah maintenant bah ça vient. Personne ouais. politique ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. la nièce, la nièce en question se débrouille fort bien. Très bien. Ouais. Euh, ouais, donc euh, on a l'impression bon, que... Les, il y a encore un, une agressivité du fait, fait qu'ils ont été diabolisés pendant ce pas particulier à vivre d'avoir été la fille de Jean-Marie Le Pen hein, et, ou la petite fille comme la, la gamine de 24 ans, la Marion. Euh, bon, alors donc il y a encore la, ils ont l'agressivité à fantôme mais on les sent bien attirés par le système au même titre. Isabelle, vous qui connaissez bien aussi le, le, le monde politique. Comment Isabelle euh... fait de la politique Ah oui, oui, mais voilà, elle a, elle, a, elle a plein de vie. Voilà. Ah bon dans voilà. d'autres vies, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez aussi quelques pages sur euh, les bons clients pour les médias. Ouais. Euh, vous, 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 et vous parlez aussi des débats dans lesquels on vous invite comme ça pour être le oui. réac de service. Je suis le réac de service, voilà. ça fait 20, le bon réac. Euh, ça, oui, oui, ça, j'ai fini par être oui, oui. oui. Je suis le réac de service. Alors, il en faut parce que euh, ça donne l'impression d'une... Ça donne l'impression d'une pluralité d'opinions. Mais en définitive, le débat est déjà pré-cuit, pré-liophilisé, -pré -dé prédéterminé. -pré le réac est acculé à des oui ou des non sur des sujets sur lesquels il faudrait exprimer des nuances. Hein, et dans un système de, euh, de, de binaire, de euh, qui, euh, qui, qui caricature, euh, qui, qui caricature le, le réel. c'est pas complètement espèce, juste. C'est plus une espèce de défilé de l'information mm. qui, qui fait passer l'important et le futile sur le même plan. Ouais, on ne hiérarch... on ne peut plus hiérarchiser. Mm. Le politique, d'ailleurs, euh, ne peut plus hiérarchiser. On lui demande de réagir euh, mm. live. Mm. Et... Oui, mais quand le réac il est bon, ce qui a été, ce qui est souvent votre cas, lorsque vous passez dans des émissions, où vous êtes souvent invité. Où vous êtes passé à RTL, dans les En euh, refait le monde, etc. Bon, c'est quand même oui, important là, je suis régulièrement, oui ouais. vous êtes régulièrement ouais. alors effectivement vous êtes vous êtes minoritaire quantitativement et puis on sait que vous êtes là parce que vous êtes le Boréac mais n'empêche que, que vous faites passer des choses tout de même Folle, Elisabeth, Lévi, oui, oui, non, non, au contraire. Vous faites passer des choses. Alors, c'est vrai que les émissions ont besoin d'avoir le bon réac de service, mais je sais que c'était une remarque que nous faisait aussi Rémi Brague, qu'on a invité à cette émission. Il nous disait, et je m'étonnais d'ailleurs du fait qu'il soit assez souvent invité chez Tadi. mais Rémi Brague disait Mais je suis le bon réac de service aussi. Et Tadéi laisse parler aussi les gens, est intelligent et donne sa place. Invite les gens qui lui paraissent devoir exprimer mm. des idées, fussent-elles complètement intrinspirées. Oui. TDI est tout à fait libre, d'ailleurs, ça, mm. si ça lui a pu lui valoir quelques. Déconvenu, absolument. Et bon, ouais. Il faut bien reconnaître que cette émission de, de, de Marc-Olivier Fogiel, mm. euh, il s'arrange toujours. On est quatre en général polémistes, mm. il y en a deux qui sont. Alors tout ça est réducteur, bien sûr, de mmh. classer plutôt à gauche et de classer plutôt à gauche. Mais à l'intérieur quand même d'un code moral prédéterminé, mais inconscient, largement, mmh. qui fait que euh, sur bien des sujets euh, de société, je ne sais pas moi, tel journaliste du Figaro... Euh, ressemble que, comme un frère à celui du monde. Mmh, mais parce qu'ils ils ont été formés par les mêmes écoles de journalisme. Mmh. Moi j'ai été journaliste, j'ai tout fait dans le journalisme. J'ai commencé par la PQR, j'ai bien vu que le modèle unique depuis 40 ans, c'est le Libé. Et ça continue, ça continue. On a fait un sondage quand même en 2012 dans les écoles de journalistes, les trois principales, le CFPJ, CFP, je ne sais pas quoi, celui de Lille, sur une promotion entière, plusieurs centaines d'étudiants, de, au deuxième tour des élections présidentielles, Hollande 100% de voix, Sarkozy 0% bon mmh. ça veut bien dire qu'on les mmh. quand qu les c'est au alors malgré tout Sarkozy a recueilli un peu moins de la moitié des des soutages. il y a quand même des gens qui ont voté pour lui euh, qu'est-ce qu que ça veut dire mais ben, ça veut dire que pendant euh, ça veut dire d'abord qu'on on va avoir on a des des journalistes cadres 30 40 ans comme ça qui continue à propager une idéologie à laquelle se, se, euh, ne croient plus ceux qui l'ont inventé, ceux qui l'ont forgé. Mmh. Hein donc il va y avoir une espèce de temps de latence on, on, on le voit on, on, on le voit bien, vous euh, parce que tôt ou tard ça va bah, ça changera. Mais pour le moment, donc, moi, je sens bien quand je suis euh, là que. Et encore, je suis le bon réac. Moi, je suis mmh. le bon réac parce que je suis considéré. Ah, il n'a euh, des pires, hein, c'est sûr. Hein, ouais. Non, mais d'abord, j'ai, mmh. je suis comme gaulliste, je suis considéré comme ayant des liens personnels avec Chirac qui existent, d'ailleurs. Euh, personnels. Bon, tout ça. Ils m'unisent un peu et puis ils puis les gens j'ai été éditeur sur la place de Paris, j'ai publié un livre. Le milieu me connaît, ça savent bien mm. que je suis pas xénophobe, je suis pas raciste, je suis pas un truc, je suis pas le, le je suis pas l'image du Réac qu'ils sont construits dans leur mm. déontologie. Mm. je ne mm. correspond en rien. Mm. Alors quoi donc ont... donc bon Réac allez, on va inviter, il est un peu farfelu quoi, mais euh, le, le, ce qui est dramatique, c'est que les, la plupart des gens de droite, euh, et notamment les politiques, continuent d'aller mendier leur respectabilité à la gauche. Alors moi, c est, c est, c est, ça m'exaspère. Je dis ce que je pense. Si à gauche je considère que c'est amoral, selon sa morale à elle, je m'en fous. Et il faudrait qu'ils apprennent à s'en foutre. Et voir à remballer le journaliste qu'il est. Oui. Mais ils, ils, ils sont terrorisés. Et je justement, parce que la marque du Réac, c'est pas d'être euh, courageux. Vous dites, à un moment donné, le Réac non, ose pas. dégainer. Ah. Ben bah oui, et si on ose, on, on risque pas tant que ça, en définitive. Ouais. Non, non, c'est un, un tabou, et puis c'est une, une ils sont terrorisés, c'est mmh. inimaginable, ils ont peur de passer. Alors si défendre quelque chose, ils peuvent passer pour être proche de, de, de l'Église, ou alors si, euh, ou proche de. Alors on dit, si, si on aboque la question de l'identité, de alors on on l'esprit se le pénise. Le pénise, mais. Euh, <laughs> On, on, on arrive quand même à inventer des, on a des, des, enfin, des, des termes. C'est inimaginable. Mmh. Euh... Vous racontez de, c est, c est, cette chose absolument incroyable qu'une journaliste des désaoccupable vous a un jour dit que vous sointiez le français de souche. Elle l'a pas dit, elle l'a écrit. Elle l'a écrit. Elle a écrit. On m'a montré ça. Elle a écrit. A voilà, ça, ouais. a écrit. Voilà, et vous dites euh, voilà. On... C'est incroyable. Et si on, si on si on avait écrit vous sointez euh, l'Africain de souche ou le Juif on serait, de souche, l'Africain de souche, n'importe <laughs> mmh. quoi, bien sûr. Voilà. Oui, c'est inimaginable. Mmh. j'aurais pu faire un, un procès pour euh, racisme mmh. anti anti. Vous l'auriez peut-être perdu, peut-être perdu. Je, mais la ne m'aurait mmh. même pas voulu m'instruire mon mmh. dossier, mmh. tous ces trucs qu'ils ont été inventés, dire qu'ils sont qui sont peu idéologiquement connotés. La ce c'est pas la gauche qui l'a inventé, hélas. Non, non. Mais, mais, oui, mais oui, on n'est plus puisqu'on est, 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 est à la terre d'un champ mental que partagent, mm. pour l'essentiel. Euh, le, par exemple, les dirigeants de l'UDF, les dirigeants, pas leurs électeurs. Mm. Et beaucoup des problèmes que connaît ce parti, mm. auquel je n'appartiens pas, mais euh, 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 où, où, où j'ai pas mal de copains, viennent du fait qu'il y a une fracture entre une élite politique, mm. de, les, les dirigeants de l'UMP, mm. quels qu'ils soient, au côté Juppé, au côté ben, Sarkozy, peu importe. Euh, boboisés et qui partagent ce qu'ils appellent les valeurs républicaines et puis leur, leur, leur peuple le trollé à la troupe les électeurs et les mitins, qui sont qui sont déjà beaucoup plus réactifs ces valeurs républicaines on est quand même arrivé à, à, à un degré de, de d'un culture assez ce mm. tous les journalistes ou les politiques disent oui, valeur républicaine. Et bien souvent, euh, c'est pour dire nous partageons ça nous, entre socialistes et l'UMP, mm. sous-entendu par exemple, euh, Le Pen n'aurait pas de valeur républicaine. Mm. D'abord, des, des valeurs républicaines, ça n'existe pas. La c'est un principe d'organisation politique, c'est le nôtre et il fait consensus, gardons-le, il a bien d'autres occasions de se chamailler, enfin, une valeur, c'est la, la liberté, la probité, l'honneur. Pour bon, la liberté, l'Angleterre la, est une monarchie, même une théocratie, puisque la reine d'Angleterre est chef de l'Église anglicane, on est aussi libre qu'en France. Donc liberté. Le, la Corée du Nord ou l'Iran sont des républiques et on n'est pas libre. Donc euh, liberté n'est pas liée à un régime. Donc il n'existe pas de valeur républicaine. Il peut exister, c'est un principe d'organisation euh, politique euh, inventé par les, les Romains, si on veut. Euh, et le, le reste à l'avenant. Alors à partir du moment où on se réfère à des valeurs républicaines qui n'existent pas, euh, je suis porté à penser que la classe politique n'a pas de valeur du tout. Elle pas de valeur en tout, elle est dans une espèce de vide mental, intellectuel et moral qui fait qu'elle n'est obligée de, de produire du lieu commun, mais qu qu'elle qu sécrète comme un escargot, sécrète de la baffe, comme ça. Ça coule, que ça coule, ça coule, le des trucs, des trucs, des respect des minorités, des, trucs, des conneries et auxquelles les gens ne croient plus. Non, du et tout, donc ouais. d'où, entre autres, entre mmh. mille autres symptômes, ce, ce, mmh. <coughs> ce désamour entre un peuple de droite qui votait pour l'UMP et des dirigeants qui, en plus, se tirent, se tirent dans les pattes. il bah, n'y a plus que le goût du pouvoir. Euh, le goût du pouvoir, il est, ils ne sont pas pires que les autres, les, les, les dirigeants. Mais euh, du P, du et du PS, d'ailleurs, pourquoi ils se tirent toujours dans les pattes, arrondissent, parce qu'il n'y a pas de chef C'est surtout parce qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas, il n'y a pas, y a pas y a à gauche, c'est vrai aussi, il y a, euh, euh, quand, quand Mitterrand a pris cette génération, on l'a amenée au pouvoir, elle n'y était pas depuis longtemps, il y avait l'espoir des lendemains qui chantent, comme vous parliez. Bon, euh, <coughs> quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il, il y a eu un élan. Bon, dites-le-là, il n'y a rien. Mais rien! Du coup, il n'y a plus que des égaux qui se. Mais c'est curieux parce que le diagnostic, il a été fait, de la rupture du divorce entre les élites et le peuple, du fait que les partis ne sont plus portés par des personnalités aussi, parce que tant qu'on avait ou De Gaulle ou Mitterrand d'ailleurs, qui étaient des personnalités extrêmement cultivées, qui avaient un passé, qui avaient fait la guerre, etc., c'était tout à fait autre chose. Elles étaient porteurs d'une mémoire. Une mémoire et d'une continuité. Et chez Mitterrand, la continuité, ça veut dire quelque chose, y compris avec l'Ancien Régime. Et, et ce, ce qui faisait... Qu il, qu il en bah jouait oui, d'ailleurs abondamment. C'était une culture de droite. droite. Bon. C'était une culture réactionnelle. C'était une culture réaction... bah, de C'est d'ailleurs un paradoxe <laughs> ouais. parmi d'autres que Et le... ça l'amusait beaucoup d'ailleurs. Il est porté au mmh. pouvoir une génération avec une idéologie mais le, le, tout le débraillé, 68 mmh. art tout ce truc libertaire mais ça le révolution ah, oui. c'est lui il aimait c'est Chardonne, <laughs> Chardone c'est est extraordinaire mais bon souvent on, est, souvent on est obligé de gouverner ce pays compliqué on mmh. va dire à contre-rôle il, il y a des choses que euh, des, des, des réformes de la société qui sont considérées comme de gauche il y a que la droite qui peut les faire passer des réformes sociales ou économiques que seule la gauche peut Peut faire euh, okay. passer aussi. Qu'est-ce mmh. qu qu'il faut faire pour que ça change alors Il faut, là, bon, faut, bon, faut euh, continuer à labourer le champ des idées. Il faut, 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 faut ne pas se, se laisser piéger par hein, le, le discours ambiant qui reste encore très prédéterminé hein, par le gauchisme culturel au sens mmh. large, gaucho-boboïsme. Oui. Euh, et puis... Euh, à, 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 je ne dirais pas agresser, mais harceler euh, la classe politique en lui disant Bon, commencez à prendre quand même en considération ce qu'on vous dit, sinon on ne votera plus pour vous. On se tirera, et à ce moment-là. Euh Soit ça sera des, 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 des ultras de, je ne sais pas où, hein, parce que maintenant, avec Internet, vous savez, un, un leader charismatique peut surgir demain matin et foutre là un pays à feu et à sang. Et mmh. ce pays est à, est à la veille d'une de, 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 ébullition. Donc on ne sait pas d'où ça peut venir. Hein. Le, tout, tout se passait bien en France quand mai 68 a éclaté. Mais ça a révélé des choses qui étaient en latence dans l'inconscient collectif. Et là, elles sont. Elles sont. Et elles sont plutôt réactes. Euh, comment elles vont s'exprimer, je, je. On ne peut pas le savoir encore. En tout Je cas, il faut dire aux auditeurs qui nous euh, écoutent que nous sommes avec Denis Tillinac. Euh, nous parlons du bonheur d'être Réac, Apologie de la Liberté aux Équateurs. Et euh, bah, s'ils ne le sont pas encore, ce qui m'étonnerait en écoutant cette radio, euh, Radio Courtoisie, c'est pourtant simple comme bonheur. Le, comme bonjour, le Réac ne peut pas être euh, sujet à la dépression, n'ayant pas, par définition, ressenti aucune pression de ce qu'on appelle le système. D'où cet accord tendu sans être criard de sa jovialité et de son pessimisme. Ces désenchantements ne sont pas l'écho de la dernière crise. Ils viennent de loin, il les a intériorisés. Son bonheur est hors d'atteinte. C'est beau ça. Et au fond, c'est réconfortant. Si vous le dites, ben, ben, oui, ça me flatte. Son bonheur est hors <laughs> d'atteinte. Oui, voilà. Oui, oui. Euh, oui parce qu'il a eu. Oui, que le... je dis surtout aux jeunes qui qu'ils soient eux-mêmes. Il n'est embrigadable euh, nulle part. Euh, ne, ne, ne réduisez pas vos, ce que vous pensez, ce que vous ressentez oui. à, à, à des slogans ou, ou, à, des, ou à des cris de, 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 agressifs. Laissez-les mûrir, mais, mais ne vous laissez pas piéger par le discours ambiant. Le discours ambiant euh, n'est plus porteur de rien que de, de, du, fari, de, du pharisaïsme et de l'imposture. Ne vous laissez pas avoir et puis euh, soyez vous-même. Euh, ce qui vous paraît euh, essentiel va, redeviendra considéré comme euh, normal, pour euh, paraphraser euh, le président de la République. Euh, on est dans, vous savez, peut-être que dans. Le, le, ça tourne de plus en plus vite, peut-être que dans 20 ans les historiens diront qu'ils étaient devenus complètement cinglés au début du XXe siècle et les hommes se mariaient ou les femmes se mariaient entre eux mmh. ça leur paraîtra tellement aberrant mmh. qu'ils en rigoleront comme mmh. d'une farce mmh. bon ben il faut... Et pensez qu'on peut revenir à quelque chose de, 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 de plus sensé ah oui, quand, de... les chants, quand ce que les philosophes appellent un champ épistémologique champ mental, c'est-à-dire qu'avec les mêmes mots et les mêmes yeux, on ne dit plus on ne parle plus les mêmes choses, et on ne voit plus le, la même réalité, ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller très vite. Les mmh. églises sont vides, elles peuvent se remplir euh, du jour au lendemain. Hein, il peut y avoir... Y a, on sait, il y a beaucoup de ferveur. Il y a un catholicisme maintenant qui est élitiste. Euh, le catholicisme populaire a beaucoup décliné, dans les pays de dans toute l'Europe d'ailleurs. Euh, ça peut revenir très vite. Mmh. Tout peut revenir très vite, mmh. parce que le temps euh, s'accélère. Euh, mais donc, mais le, faut, faut, faut maintenir les maillons euh, de ce qui est la, la mémoire longue, quoi. Hein on, est, on est des judéo-chrétiens, des gréco-latins, et nous en France, ce qui est pas vrai, façonné par le catholicisme romain. Mais ce qui n'exclut pas les Lumières, le, 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 quand, quand on dit le catholicisme romain, ça implique l'anticléricalisme. L'anticléricalisme n'a pas été inventé par le petit Père Comble, il a été inventé par les franciscains au deuxième siècle, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'Église étant ce qu'elle est, il faut toujours qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose qui... Bon, on a été... N'oublions pas les fondamentaux qui nous ont Tissés, euh, et qui nous ont fait éclore, et, euh, et continuant à le réaffirmer, même si ça paraît guignolesque ou ringard, tôt ou tard, ça cessera de paraître mmh. ringard et on sera sauvés. Mais quand tôt vous rencontrez pas. vos copains de l'UMP, vos, vos de, 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 de les amis de, de Chirac, etc., les plus jeunes, alors euh, vous, vous, vous leur parlez, vous leur, vous leur dites, vous, leur, vous, les, vous les éveillez, vous titillez leur conscience, vous leur ah. montrez le monde tel qu'il va. Oui, mais ils et... me disent T'as raison, mais on ne peut pas dire ça à la radio, on ne peut pas dire ça mmh. à la télé. Euh, on fera marginaliser, euh, le, on, on voit bien par exemple euh, le mariage homosexuel. Euh, la plupart des, des politiques de droite n'ont pas, pas d'avis arrêté. Hein mmh. la, la position de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la campagne de Paris... Vieille copine, euh, c'était simplement de dire, il y a beaucoup d'homosexuels à Paris, ne serait-ce pas, ces homosexuels viennent de province pour se retrouver dans des lieux entre eux, donc je ne peux pas en faire fi. C'est-à-dire qu'une opinion, c'est ce, l'opinion, la... la, 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 la se, se, se pèse uniquement à l'aune des sondages. Mais les sondages n'ont jamais répondu qu'aux questions qu'on leur pose. Et les questions elles-mêmes sont biseautées. Les sondeurs aussi, les, les directeurs d'instituts de sondage, sont captifs de l'idéologie 68 Armes. Donc il faudra du temps. Hein. Les, les directeurs des écoles de journalisme... Vous euh, voyez, il y a, y, a, y, a y a un élagage qui va être... Euh, qui va être long, mais euh, il faut le faire. Et puis... Euh, on compte sur vous. France, merci, Donny Tillinac Alors, je crois que vous devez euh, nous quitter un peu plus tôt parce que vous avez un train à prendre. Ah en tout je cas, rend, mais... je rentre dans mon village. C'est eh ben, bien. Merci. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir reçu. C'est moi euh, qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez pu parler librement et surtout donner envie, je pense, aux auditeurs de lire le, du bonheur d'être réac aux Équateurs, un livre pour euh, pour les vacances et pour après. Vous savez qu'on est très prescripteur à la radio. Si on leur dit qu'il faut lire ce livre, ils vont le lire non, je, et l'acheter. J'espère voilà. bien. Je les ai remerciés à l'avance. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Non, merci, merci, Donny Tilynak. Et bon retour euh, en Corrèze. Merci, à bientôt. Au revoir. revoir. J'enchaîne sur un petit commentaire personnel sur ce, sur ce livre, euh, ce petit livre aux éditions Équateur de Denis Tillinac, du Bonheur d'être Réac, Apologie de la liberté, qui à bien des égards est un livre qui nous. Euh, fait euh, réfléchir sur toutes les questions qu'on a abordées euh, cette année. Et ce qui est euh, nouveau, c'est que le le, le, le réac, euh, au fond, par ses réflexes, comme le dit euh, Denis Tillinac, euh, par ses refus, atteste d'une permanence que, que l'on essaie de, de nier. N'est-ce pas Et euh, à, à cet égard... Euh, euh, et, et, il est, euh, il pérennise, comme le dit encore Tillinnac, le, le cerveau euh, reptilien, l'inconscient et, et, et la bibliothèque d'une humanité qui s'en croit affranchie. Donc, je crois que sur le plan euh, philosophique, sur le plan euh, ontologique, anthropologique, euh, le réac, c'est celui qui défend la nature humaine, euh, l'homme en réalité, l'homme l'homme nu, euh, comme le dit euh, tilinac dans, dans, dans son livre. Euh, Franco de porc, brut de décoffrage, pas frelaté, pas élimé, euh, euh, mi-culture, mi-nature. Euh, c'est l'homme sous toutes ses latitudes et par-delà toute euh, apparence euh, sociale. Donc... Euh, euh, si, si désemparé soit-il au, au, aujourd'hui euh, l'homme se, se rendra compte dans, dans 20 ans ou dans 20 siècles que euh, voilà celui qui le, qui le défendait au, au 20e siècle au début du 21e siècle eh bien c était, c était le réac et bien le, c'était c'était et les historiens rendront justice à, son, à sa défense à sa défense de, de l'humanité donc je crois qu'il faut être très redevable à à Denis Dillinac d'avoir écrit ce, ce livre qui est euh, non seulement un coup de gueule, comme on le disait au début de cette émission, mais, mais aussi un, un, un passage en, en revue euh, très rapide, certes, euh, des, 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 des hommes de, de lettres, des historiens, des, des personnalités qui ont euh, eu une attitude dite de réac, entre guillemets, telle qu'on l'a définie au cours de cette émission. Et, mais surtout d'avoir été plus loin et d'avoir euh, approfondi le, le sens du vrai Réac au sens euh, esthétique du terme et, et même plus que ça, même métaphysique. Voilà, donc avec cette apologie de, des différentes caractéristiques des différents critères du réac à travers l'harmonie qu'on n'a pas développée, on n'est on on est pas rentré dans tous les critères qu'a abordé Denis Tilinac, mais l'harmonie, euh, la lenteur, le détachement, l'intériorité, le, le jardin secret, l'humour, euh, le regret, l'altitude, etc. On, on, on retrouve quels sont ces invariants, plutôt ces termes-là qu'il utilise davantage que, que le terme de, de valeur qui est qui est, qui est dévalorisé, dé, démonétisé, et qui montre que ce voilà, le, être réac c'est tout sauf une posture euh, défensive et, et agressive, mais c'est une sorte de, de manifeste jubilatoire et qui offre euh, et qui, qui, qui qui offre une, une alternative euh, aux insoumis, aux désenchantés, aux assoiffés d'idéal de toutes tendances et de tous âges, et surtout qui euh, permet de de montrer que le, le bonheur, comme on le disait, est Peut-être pour, pour terminer cette émission, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, Isabelle, en tant, que, en tant que femme, vous, vous avez noté un certain nombre de choses qui vous ont marqué, qui ne sont pas forcément celles que, que nous avons notées, nous, les hommes. Alors, j'ai vu que dans le livre de Télinac, c'est vrai qu'il y a plein de passages où vous l'aviez signalé, puisque vous aviez eu l'amabilité de lire avant moi, mais... Il euh, y a plein de passages qui concernent les femmes. Il ne s'est pas caché d'ailleurs d'être quelqu'un qui aimait les femmes, ce qu'on ne lui reproche pas. Mais c'est une vision du, du coup qui est une vision peut-être plus masculine. Est-ce que vous vous êtes retrouvé quand même à travers des valeurs qui peuvent être portées par les femmes dans l'attitude du, du réacte, euh, du bonheur d'être réacte? Est-ce que, voilà, une femme peut être heureuse d'être réacte? Euh, oui, absolument. Je trouve qu'il a eu quelques belles phrases comme euh, Ce qui distingue les femmes, c'est la double prime à la passion amoureuse et à la cohésion familiale, <coughs> quitte à en pâtir s'il faut trimer à la maison après le bureau et le métro. Voilà. Je crois que ça résume assez bien ce que, ce que sont les femmes aujourd'hui. Et il explique aussi que finalement, cette, la féminisation de beaucoup de métiers euh, n'a pas, pas permis aux femmes de, de révéler leurs qualités, parce que finalement, elles ont voulu devenir comme les hommes. Et que ça, c'est très dommage. Qu'elles ne, 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 ne restent pas justement des femmes avec les qualités qui, qui sont les leurs. Oui, quitte à en pâtir, parce que, au fond, euh, si elles ne respectent pas leur, leur, leur vraie nature en essayant de, de singer euh, ce que font euh, les hommes, eh bien, elles, 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 elles y perdent. Et les premières perdantes de, de cet égalitarisme artificiel à travers un féminisme militant, c'est. C'est qu'elles, qu'elles ont, elles en pâtissent au fond. Oui. Les, elles sont les premières victimes mmh. de cette dérive. Oui, puis elles ne pas, elles réalisent pas ce qu'elles sont, donc euh, leur capacité justement de don, de, de, de capacité de don, ce qui fait que lié à leur capacité d'être mère. Donc, mmh. euh, si elles nient ça, effectivement, elles ne se réalisent pas. Alors sur le plan, euh, sur le plan culturel aussi, est-ce que vous, y a, des, y, a des, y a des passages dans le domaine de, de de, de l'éducation ou de la euh, de l'école de, de, de la formation auxquelles les, les, les femmes peuvent être peut-être plus sensibles puisqu'elles sont directement en prise avec euh, euh, l'éducation de leur, de leur, de leurs enfants et plus souvent peut-être quelquefois à la maison et et, et et se sentant plus responsables que les hommes de de l'apprentissage de, de leurs petits est-ce que il y a des applications que vous voyez à cette à, à ce petit traité euh, qui sont précieux, qui seraient précieux à, à développer, euh, pour, ne, pour, pour essayer de, 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 briser, euh, cette, cette, de, de briser ce cercle, cercle vicieux. Effectivement, dans la liste qu'il donne des, des fondamentaux du réac, il y en a un certain nombre qui sont liés aussi à des choses d'éducation, hein, comme l'héritage, mais aussi la lenteur. Hein. Il dit que euh, le, le réac, c'est quelqu'un qui a le temps hein, et qui prend le temps. Donc ça, effectivement, c'est ça m'a aussi interro voilà ça m'a rappelé le temps, le, le, temps le temps de la femme pour... la, la femme est, une, est un être qui prend du temps et qui a, pour lequel pour laquelle la dimension du temps est très importante voilà et, et l'éducation aussi demande du temps c'est-à-dire, je ne crois pas du tout qu'un le, le, temps court avec des enfants, parfois on dit, oh, mais ce n'est pas grave, la, la qualité remplace la quantité. Non, parce qu'il y a des choses, quand on n'a pas la, la quantité, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on loupe. Donc euh, le temps, c'est très lié aussi, me semble-t-il, à l'éducation. Et puis cette notion dont il a parlé, là, de la distinction, de la, de, 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 voilà, qui, en expliquant qu'il faut plusieurs générations pour faire un honnête homme, hein, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui sache se comporter dans les différentes situations où il est euh... et donc ça ça prend aussi du temps et puis ce sens de la lenteur euh... voilà c'est beaucoup de, de, de... effectivement de, de notions qui sont aussi liées à l'éducation alors la notion de, de l'héritage nous, nous sommes euh... nous sommes des héritiers nous sommes des, les, les maillons d'une chaîne et et au fond, est-ce que la femme ne, ne le ressent pas aussi euh, beaucoup, parce que étant amenée à, à, à donner la vie, à, à protéger la vie, à faire, à faire grandir la vie, à prendre soin au début et puis un peu plus tard et puis même peut-être jusqu'à la, la fin, cette, cette dimension d'être un maillon dans une, dans une grande chaîne euh, euh, familiale, d'une communauté. Euh, ce sont des éléments à, à, à retrouver parce que c'est le contraire qu'on nous a euh, chanté, à savoir que voilà tout était à réinventer culturellement, notre nature n'existait pas, le passé n'existait pas, nous n'héritons de rien, table rase. Mais la femme, c'est pas ça. La femme, elle est un, un maillon qui transmet aussi, qui reçoit et qui, et qui transmet. Absolument, absolument. Et Alors, je, je crois que ce, ce livre peut être euh, conseillé absolument aux, aux, aux auditeurs parce que c'est une sorte de, euh, de, de concentré euh, d'un certain nombre d'observations qui ont été faites euh, en... en au cours de ces, de ces derniers mois et de ces, de ces dernières années, euh, avec euh, une multiplication des, des, des lois, euh, en particulier de transgressions dans le domaine euh, sociétal, qui euh, nous, nous, nous ont, nous ont amenés à, à être, en quelque sorte, comme on le disait, le, le dos au mur et à être euh, capable maintenant, aujourd'hui, de dénoncer. Euh, ces, euh, ces dérives avec peut-être beaucoup plus d'assistance de, euh, de courage euh, de pertinence euh, d'audace que par euh, le passé et je, je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de l'époque que nous vivons et dont ce livre est un des témoins à savoir qu'un certain nombre de, de personnalités sont capables aujourd'hui de dire euh, des choses qui étaient absolument interdites. Alors même si euh, l'opinion qui est exprimée aujourd'hui par euh, quelqu'un comme Tilinac, on a l'impression que c'est une opinion qui n'est pas euh, majoritaire. Euh, en réalité, euh, jouissent ces, ces personnes qui osent parler, je pense d'un crédit qui est beaucoup plus large. Et peut-être doit-on ça à ces deux années de traversée du désert euh, que nous sommes obligés. Euh, D'affronter. Donc, ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est que vous lisiez ce petit livre du bonheur d'être réacte de Denis Tillinac, qui s'inscrit d'ailleurs dans la, dans, la, dans la suite d'un certain nombre d'auteurs que nous avons invités au cours de cette année. Je pense tout naturellement à Rémi Bragg, avec son livre Modérément Moderne, que Thilinac aurait pu, ou dont il aurait pu aussi reprendre le titre. Pourquoi je suis modérément moderne de Rémi Brague, ou pourquoi je suis modérément démocrate de Volkoff. Au fond, c'est la même veine. Nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Chers auditeurs, je vous remercie.